voyez, c'est pas juste une voiture, ça, c'est une image de soi, une identité qu'on vient chercher. C'est pas la voiture de sport high-tech. Non, pour être sincère, elle tient pas bien la route. Mais là n'est pas la question. Faut savoir de quoi on parle, là. On parle de minettes, non? Absolument. Il faut l'avouer, Harry, le cabriolet, ça les fait vibrer. Mais ça suffit pas. Si vous voulez vraiment que l'affaire se fasse, faut avoir une tactique. Je suppose que vous en avez une. Oh, elle est fatale. Je veux dire, regardez-moi, y a pas de quoi se relever la nuit. Non, 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 il faut être honnête. Eh ben, j'ai l'embarras du choix. Et faut pas croire qu'il y a que des cajots. Enfin, il y en a un peu. C'est quoi votre tactique? Non, désolé. Top secret. Bon, vous avez qu'à vous demander qu'est-ce que ces femmes veulent vraiment. Vous prenez ces pauvres ménagères qui sont mariées au même type depuis des années, elles s'ennuient à mourir, elles ont besoin de se détendre. La promesse d'une aventure à soupçon de danger. Et j'invente tout ça pour elles. Vous passez votre temps à mentir, si je comprends bien. Moi, je pourrais pas faire ça. Pourquoi, vous êtes un boy scout? Non. Dites que vous jouez un rôle, c'est l'imaginaire. Il faut savoir réaliser leurs fantasmes, il faut savoir les sortir de leur petit train-train quotidien pendant quelques heures. Qu'est-ce que vous faites de leur mari? Des couilles molles. Je veux dire, il faut l'avouer, s'ils faisaient leur boulot, bah on ne ferait pas appel à moi, vous me comprenez? Ils sont idiots. Hey, zut, pas dépassé 60, hein. J'ai pas fini de payer mes dents de devant. Alors, qui êtes-vous en train de séduire? J'en ai toujours plusieurs sous le coude, vous savez. Mais il y en a une en ce moment qui a la langue qui pend jusqu'au sol. C'est génial. Elle fait quoi dans la vie? Une espèce de secrétaire juridique ou un truc comme ça. La fille un peu coincée, petite bourgeoise. Oh, mais un super coup, ça se sent tout de suite. Avec vous, elle devient un super coup, c'est ça? Oh, un méga coup. Hey. Ouais, toujours les cuisses ouvertes. Comme une fleur mourante qui veut qu'on l'arrose. Marié à un pauvre connard. Marié à un pauvre connard. Ouais, vous savez, c'est pas l'apprécier. Et comme toutes ces bobonnes, si vous leur appuyez sur le starter, elles vous suceraient un pot d'échappement. Oh putain, là, la plus incroyable paire de nibards. Et un corps à faire dresser les morts pour réclamer leur babeur. Un cul de môme de 10 ans. Alors elles doivent vraiment être très bonnes au lit, hein. Hey, ralentissez, vous allez louper le virage.